cadrer votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en priant. Pardonne-moi mon péché. Alléluia, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Encore, je vous souhaite la bienvenue sur mon programme In His Presence, ce qu'ils m'ont appelé en français Dans sa présence. Que Dieu continue à vous bénir. Maintenant, nous passons directement au rêve d'aujourd'hui, et qui est le rêve de voir un fou qui vous poursuit dans le rêve. Êtes-vous déjà fait un rêve qui te voit un fou ou bien un homme fou qui vous poursuit vers dans votre rêve? Quel est le sens de ce genre de rêve et quelles sont les prières à faire pour pouvoir vaincre cette situation de rêve? N'oubliez pas que pour pouvoir continuer à regarder mes chaînes, il faudra que vous vous abonnez, comme cela que s'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi en profiter. Et si vous voulez avoir des copies de mes livres, ils sont en bas de cette vidéo. Là où j'ai mis la description, vous allez voir plus un livre que j'ai écrit. Vous pouvez aussi abonner vite comme cela. Chaque fois qu'il y a des vidéos qui viennent, vous pouvez aussi en profiter. Maintenant, quand tu fais un rêve et que tu vois un fou qui vous poursuit dans votre rêve, qu'est-ce que ça veut signifier? Maintenant, le premier, c'est que c'est une indication parfaite d'une vie qui est sous les prises de la sorcellerie. C'est une indication parfaite d'une vie qui est sous les prises de la sorcellerie. Et il faudra que vous pliez parce qu'il y a des choses que l'ennemi est en train de machiner contre vous. Le deuxième, il y a une attaque d'une autorité démoniaque contre vous. Ça veut dire qu'il y a une attaque d'une autorité démoniaque. Ça veut dire qu'une autorité démoniaque a déjà projeté votre destruction. Troisième, c'est un esprit de la folie ou bien des faux pas. Un esprit qui vous pousse à faire des choses qui n'est pas dans l'ordre de Dieu. Un esprit qui voulait que vous fassiez des choses, vous voyez, les choses qui n'est pas vraiment, qui ne va pas aboutir à, qui ne va pas vous amener la bénédiction. C'est un esprit de folie ou bien de faux pas. Quand tu fais des faux pas dans votre vie, ça n'apporte rien, ça n'apporte pas de bénédiction. Le quatrième signification du rêve de voir un fou qui vous poursuit dans le rêve, c'est la flèche de la pollution satanique et du retard. Une flèche de la pollution satanique et une flèche de retard. Quand un fou vous poursuit dans le monde physique, il vous met en retard. Mais maintenant, quand un fou vous poursuit dans le rêve, dans le monde spirituel, c'est pour vous polluer. C'est pour vous polluer et pour vous mettre en retard dans votre vie. Maintenant, cinquième, j'ai dit que c'est un esprit de retard, un esprit de retard. Le sixième, c'est un signe d'attaque de l'esprit ancestral. Oui, tout esprit ancestral, tous les esprits ancestraux sont l'esprit de la folie. Ce sont l'esprit de la folie. L'esprit qui poussait les gens de faire des choses hors de la volonté de Dieu. C'est l'esprit de la folie. C'est l'esprit, c'est une indication qu'il y a un esprit ancestral qui vous attaque, qui vous poursuit. Et il faudra que vous vous levez, vous et priez comme cela. Le septième, c'est flèche d'agitation. Flèche d'agitation. Flèche d'agitation. Je vais répéter ça. Quand tu fais un rêve, qu'il y a un foule qui vous poursuit dans votre rêve, c'est une indication parfaite d'une vie qui est sous l'emprise de la sorcellerie. C'est une attaque contre, une attaque d'une autorité démoniaque. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui est démoniaque qui vous poursuit. Esprit de folie et de faux pas. C'est l'esprit qui voulait que tu fasses des rêves, qui voulait que vous fassiez de mauvaises choses, des rêves dans votre vie. Le quatrième, c'est le flèche de la pollution satanique et du retard. Maintenant, le cinquième, c'est l'esprit de retard. Le sixième, c'est signe des attaques de l'esprit ancestral. Et le septième, c'est flèche d'agitation. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire quand tu sortis de cette rêve? Est-ce que vous devez commencer à être paniqué? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oh, je me suis sorti de cette rêve et je vois un fou qui me poursuit. Non, tu n'as pas besoin d'être paniqué.
vous êtes un enfant de Dieu, et ce que vous devez faire, c'est de juste faire les prières que j'ai mis ici. Les premiers sujets de prières que vous allez faire, après avoir confessé votre péché et demandé Dieu pardon, et vous faites cette prière. Prière numéro 1. Pouvoir assigné pour soumettre ma vie, périr au nom puissant de Jésus-Christ. Pouvoir assigné pour soumettre ma vie, périr au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 2. Je refuse d'être victime de criminels du destin au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être un victime de criminels du destin au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième sujet de prière. Les puissances qui projetaient de changer mon destin recevaient des paralysis divins au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les puissances sataniques qui projetaient de changer mon destin recevaient ou bien reçoivent des paralysis divins au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le quatrième sujet de prière. Le pouvoir qui voulait me détruire se détruit vous-même au nom puissant de Jésus-Christ. Le pouvoir qui voulait me détruire se détruit vous-même au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, les cinquième et les derniers sujets de prier, si vous n'arrivez pas à m'attraper pendant que j'ai donné le sujet de prier, il faut aller en arrière, comme cela vous pouvez répéter les prières comme vous voulez. Le cinquième sujet de prier. Par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de tout le projet maléfique de Satan et mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de tout le projet maléfique de Satan et mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète encore, par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de tout le projet maléfique de Satan et de mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et que Dieu aussi vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est là où nous avons mis à fin à ce segment de ce programme d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'abonner si vous n'avez pas encore abonné. Il y a un bouton rouge qu'on a mis subscribe et ici. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et n'oublie pas, si tu voulais, mes livres en français, ils sont disponibles en bas. Dans où on a mis la description de cette vidéo, vous pouvez voir les copies de mes livres qui sont là-bas, les livres sur tout aspect de délivrance qui peut vous aider à changer votre vie et vous faire avancer votre vie aussi. Que Dieu vous garde et que Dieu aussi vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.